Je m'appelle Jean Imo et j'ai 11 ans. J'aime le wushu depuis que j'ai 6 ans. Même si beaucoup de gens disent que le wushu n'est pas fait pour les filles, moi j'aime bien. Bonjour à tous, je m'appelle Gojue et j'aime le wushu. Faut pas me chercher. Je m'appelle Gentia Aline et j'ai 11 ans. Quand on pratique le wushu, on se sent comme les héros de romans de KPDP. Je m'appelle Xinyuan Hui et j'ai 11 ans. Monsieur Rang va nous apprendre le Tuishou di Taiji. Le Tuishou di Taiji est une activité physique traditionnelle propre à la culture chinoise. Le Tuishou permet également de rendre l'enfant plus courageux pour qu'il ose se défendre. J'ai entendu que si on maîtrise le Tuishou, on est super fort. Le Tuishou du Taiji. Nous avons mis en place des cours de Tuishou pour l'école primaire et le collège avec le Tuishou en position fixe. Quel est l'intérêt? On inculque aux enfants depuis leur jeune âge la culture traditionnelle chinoise. On commence avec le Tuishou à une main en position fixe. On utilise les deux mains seulement pour les applications. Arrivé au collège, on pratique le Tuishou à deux mains. On met les deux mains au contact et on utilise les deux pour les applications. Au lycée, on peut rajouter les déplacements. On avance, on recule. C'est un processus d'apprentissage progressif. À l'université, on peut ajouter le Tuishou des quatre mains. On aborde des techniques dont la difficulté augmente petit à petit. En passant par une étude progressive, les enfants peuvent réellement apprendre et maîtriser ces choses. Aujourd'hui, nous allons apprendre les règles du Tuishou Junior. Monsieur Huang va nous le présenter. Le Tuishou Junior est un nouveau sport en plein essor. Lors du Tuishou, on utilise la garde traditionnelle à une main en contact. On dit contact à une main, technique à deux mains. On utilise six techniques comportant attaque et défense. Maintenant, nous allons pratiquer. Maintenant, je vais vous expliquer la surface de combat. Elle fait 3,20 m de longueur pour 1 m de largeur. Au milieu, il y a une ligne jaune centrale de séparation. Les deux combattants se placent chacun sur un côté avant de démarrer le combat. Entrée des combattants. Le combattant numéro 1. Le combattant numéro 2. Salut. En garde. Commencez. Stop. Le combattant numéro 1 a utilisé 6 verrouillages et 4 fermetures pour repousser le combattant numéro 2. Si l'un des deux combattants sort de la surface, l'adversaire gagne un point. Tu as donc perdu un point. Attention la prochaine fois. Salut de l'arbitre. Entrée des combattants. Salut des combattants. En garde, commencez. Stop. Stop. Sortie de surface d'un combattant. Commencez. Chute du combattant numéro 1. Le combattant numéro 2 a utilisé 6 verrouillages et 4 fermetures en avançant pour repousser et faire chuter le combattant numéro 1. En chutant, on perd 2 points. Tu as perdu 2 points. Commencez. Stop.
Stop. Bien, revenez. Quand on pousse l'autre, le pied arrière ne doit pas franchir la ligne centrale. En dépassant la ligne centrale, tu perds un point. Comme il est sorti, il perd aussi un point. Donc ce round est un nul. Encore une fois. En garde. Commencez. Stop. Chute des deux combattants. Vous avez chuté tous les deux en même temps. Dans ce cas-là, personne ne gagne de points. Ce signe de l'arbitre signifie nul. Chute simultanée. Stop. 6 verrouillages et 4 fermetures doivent se faire très rapidement. Pour la fille de Jade enfile la navette, il faut ouvrir avec la main. Sinon, tu te fais entraîner par l'autre. Commencez. Stop. Cette fois-ci, tu as bien utilisé la fille de Jade enfile la navette. Tu as ouvert avec la main et as réussi à repousser l'adversaire. À ce moment-là, toi, tu pouvais également utiliser la fille de Jade enfile la navette en avançant pour déjouer son attaque. Appliquez-vous bien lors de la pratique. Sortie des deux combattants. Chute des deux combattants. Nul. Lors de la pratique du Tui Chuan, on doit tout d'abord choisir un environnement adapté pour assurer la sécurité des pratiquants. De plus, elle comprend un certain nombre de techniques réglementées. Le Tui Chuan se fait de manière sécurisée. C'est une activité au caractère culturel et élégant. De plus, il y a des règles concernant les techniques d'application au combat. Lors d'un combat de Tui Chuan, on ne peut pas frapper avec le poing, donner de coups de pied, attraper les vêtements ou les cheveux, donner de coups de coude, etc. etc. En garde. Commencez. Stop. Quand on veut saisir l'adversaire, on ne doit pas attraper ses vêtements. On peut le saisir, le pousser, mais sans attraper ses vêtements. Si on le fait, cela compte comme une faute. Faute. Première faute. En garde. Commencez. Stop. Premier avertissement. Attention, attraper les cheveux, frapper à l'entrejambe, frapper de la tête ou du genou, tout cela est pénalisé par un avertissement lourd. En cas d'avertissement lourd, l'adversaire récolte 2 points. Commencez. Stop. Sortie du combattant numéro 1. En garde. Stop. Durant le combat,
On ne doit pas commencer d'attaquer avant le signal de départ de l'arbitre, comme vous venez de le faire. C'est une attaque anticipée. Dans ce cas, vous écopez d'une faute. Vous ne devez pas commencer à attaquer avant le signal. Bien, allez, changez de côté. Lors de la pratique du truéchaud junior, en cas de manquement au règlement, il y a trois sortes de pénalités. La faute, l'avertissement et l'avertissement lourd. Ce geste signifie besoin d'aide urgente. Ce geste signifie changement de côté. Combattant numéro 1, combattant numéro 2, on essaie. Préparation, en garde, commencez. Bien, stop. Le combattant numéro 1 a utilisé la fille de Jade, enfile la navette pour expulser le combattant numéro 2 hors de la surface et gagne un point. Bien, s'il vous plaît, changez de côté. Préparation, commencez. Stop. Bien, le salut. Après le salut, tenez-vous droit. Préparation, avancez en garde. Bien, commencez. Bien, stop. L'adversaire numéro 2 a utilisé 6 verrouillages et 4 fermetures pour t'expulser de la surface. Bien, commencez. Bien, stop. L'adversaire est sorti de la surface. Voici une démonstration de truéchaud.